Ce week-end, l'année 2011 a repris pied au plancher pour les footballeurs de l'ES Wascal. Samedi et prochain, les footballeurs wascaliens affronteront les professionnels de la JOCR en 32e de finale de la Coupe de France de football. Un match de gala pour ces amateurs et donc un match qu'il faut bien préparer. Les joueurs et le staff ont donc repris l'entraînement dès ce week-end pour être au point samedi. 5 divisions séparent les deux équipes. Autant dire qu'il faudra être très fort samedi pour espérer battre Auxerre. Écoutez, à propos de la préparation des joueurs, l'entraîneur de l'OS Wascal, Régis Bogart, au micro de notre reporter de ce week-end, Macha Grunaisen. On écoute. C'est une équipe contre laquelle il est difficile de se créer des situations, des opportunités. Et puis c'est une équipe aussi qui va à 3000 à l'heure vers l'avant et on sait que on va jouer au Stadium Nord, donc le terrain il est grand. Donc ça sera aussi, je dirais, une des composantes difficiles, ça va être de gérer les espaces, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir un petit peu d'espace, je pense qu'on va s'apercevoir ce que veut dire puissance et vitesse. Dans tous les cas, chaque match on peut le gagner, même si au départ c'est une équipe qui est au-dessus, au niveau. Maintenant c'est qu'un match et puis il faut se donner à fond, on est 11 contre 11 et puis on va faire le maximum pour essayer de passer ce match.